les gens des concerts. Plus c'est la rue. Allez. Plus c'est la rue. Touche pas. Plus c'est la rue. Légendaire. Plus fort. Plus c'est la rue. Ça c'est acharné, hein. On a eu la chance de passer par l'étape des concerts, en fait, avant même d'avoir 4000 likes sur Facebook, parce qu'il n'y avait pas encore Instagram à ce moment-là qui pétait. Je suis très très content d'avoir vécu quand même l'histoire avec l'Or du commun. Genre vraiment le début dans des cafés avec 30 personnes. Ça c'est l'Or du commun, on dit bonjour en plus. C'était beaucoup de stress. J'avais des boules au ventre, j'étais pas bien, je mangeais pas beaucoup, j'étais stressé. Je m'épuisais, je me cassais la voix, j'étais cassé à la fin. Et ouais, maintenant ça a complètement changé. C'est plus du tout la même manière de voir un concert qu'avant, mais le plaisir est encore plus fort, je trouve, maintenant, parce qu'on contrôle. Ouais, tranquille, c'est bon, le stress est descendu, c'était l'enfer. Et là, Liverpool est en train de mener 1-0 avec un goal légendaire. Avant un show, le seul truc que je fais vraiment à chaque fois, c'est garder la voix chaude le plus longtemps possible. Donc ranger les ustensiles de fumette, les éloigner au maximum. Un thermos pour avoir le plus souvent possible de l'eau chaude sur soi. Pendant, on va dire, une heure avant, j'essaye d'aller me mettre en loge et plus trop parler aux autres parce qu'il y a le stress qui commence. Même si je disais que j'étais pas trop stressé, il y a un petit peu de tension qui monte et je sais que je peux être très vite désagréable avec les gars qui vont me dire ça va, je vais leur dire bah ouais ça va, t'es con quoi, tu vois, des bêtes trucs comme ça. Alors je vais me cacher. On a plus de 40, donc c'est important que ça soit bien la bouffe. Du coup, ce soir il y a une captation, on s'est filmé, ça va être retranscrit à la télé, hein, je sais pas quoi exactement. On a réfléchi ensemble à une tenue qui pouvait bien passer à l'écran. On compte très bien s'il va mettre des baskets noires. Avant de travailler avec Lola, j'avais vraiment aucun style sur scène, j'avais toujours la même tenue et ça change beaucoup. Voilà, je pense que c'était le mot de la fin. Ouais, il va falloir qu'on y aille. Dans 20 minutes. J'ai une plateforme qui m'élève tout en haut de la scène, je suis accroché avec un harnais et puis je descends. Je suis pas avec mes musiciens sur le départ de la scène, on se retrouve juste avant en fait quoi. On commence à parler et puis ça monte et puis on crie. Si on crie et qu'on n'entend pas les gens, on se dit ah, ce soir peut-être qu'ils sont pas aussi ouf parce qu'ils réagissent pas à n'importe quoi, tu vois. Allez, vous faites chaud ou pas? Ils ont pas réagi, mais bon, c'est quand même chaud. Faire des zéniths, remplir des trucs comme ça, avec 7000 personnes qui connaissent pour la plupart tout le truc, c'est difficile encore à se dire ouais c'est normal quoi, à trouver ça normal encore. Je vais quand même donner une montre qui était pas à l'heure. Voilà. Et puis après, on est parti ensemble au 75. C'était 3 années d'études et plus les années passaient, et plus ça devenait vraiment sérieux. Pour dire, c'est quand même la 3e et dernière année, à la remise des diplômes, il était même pas là en fait, il était déjà en tournée avec l'Or du commun à l'époque. Ouais. Moi, il me faisait ses textes, tu vois, à l'interclasse, et j'étais déjà en mode, waouh, mec, je vois que t'as un truc vraiment spécial, quoi. C'est obligé. Enfin, j'ai toujours cru en lui, j'ai toujours eu trop confiance, et c'est arrivé, quoi. Donc montre-moi que demain au prochain concert, on se dise pas qu'il vit plus sous Khalil. Montre-moi, allez, voilà, 1, 2, 3. C'est lui, hein, tu sais, notre papa et notre maman. C'est lui, hein. On s'entend tous bien, que ce soit musicien, technicien, il n'y a pas de différence quoi. On s'est tous bien trouvés et franchement c'est un plaisir. Quoi. Les gens me demandent souvent si c'est dur de la tournée et tout, mais pour moi c'est que du plaisir, franchement, c'est comme un camp de vacances. Quoi. Non, je dis franchement génial, bravo, t'étais exceptionnel. Franchement, je suis très fier de toi. Yes. Ah.
Ah, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça entre nous. Yes. Naturel. T'es le meilleur, Ben. Merci, ça ne change pas. Génial. Change pas, enculé. Vas-y, tu peux aller. On est trop content d'être là entre amis, de l'avoir fait entre amis, quoi. D'avoir réussi à monter tout ça ensemble, c'est un sentiment d'accomplissement génial, quoi. Il y a quasiment que des amis de longue date dans l'équipe, et les gens qui se sont rajoutés après se sont très vite adaptés à l'ambiance qu'il y avait en général. C'était pas un objectif stratégique ou quoi que ce soit, ça s'est fait avec le cœur en fait, tout simplement. J'étais avec mes amis depuis le début, j'ai pas voulu arrêter avec eux. Et à chaque fois que je me suis lié d'amitié avec une équipe, avec des producteurs, avec des tourneurs, tous les gens avec qui j'ai travaillé, une fois que j'ai vécu une aventure avec ces gens-là, j'ai eu envie de la poursuivre le plus longtemps. Et encore aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on est une chouette équipe comme ça, c'est que c'est vraiment super fraternel. Merci les Zénith. Alors là, on attend tous parce que le prochain son, c'est un son emblématique qui s'appelle Bruxelles arrive. Et là où il y a plein de gens de Bruxelles, des amis, la famille et tout, on va tous monter pour montrer une marque de soutien, montrer qu'on est là et qu'on a un gros coup de Bruxelles avec nous. Ils m'ont donné